Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire. Et le moment est venu de retrouver Franck Ferrand sur Europe 1 pour déconnecter un peu et rêver d'autre chose. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Pour ce qui est de changer de cadre et d'idées, vous allez être servi aujourd'hui puisque je vous propose de faire un joli saut de quelques 2000 ans en arrière à la découverte d'une des œuvres fondatrices de la civilisation occidentale, un très long poème fondateur signé Virgile. L'Énéide. Alors dit comme cela, je suis sûr que cela reste un petit peu mystérieux ouais. pour nombre de nos auditeurs. Eh oui, mais le mystère ne me déplaît pas, vous savez. Je peux vous promettre, en revanche, que dans une heure, il restera beaucoup moins de mystère autour de l'Énéide. Nous recevons aujourd'hui deux grands spécialistes de la romantique en général et du règne d'Auguste en particulier, spécialement de la vie et de l'œuvre de ce fascinant écrivain qu'a été Virgile. Nous recevons, en effet, deux maîtres de la latinité, Paul Veyne en personne et Philippe Euset. De 13h à 14h sur Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Chefs-d'œuvre de notre civilisation puisent leurs racines dans la nuit des temps. Je songe évidemment à l'épopée de Gilgamesh, un texte sumérien du troisième millénaire avant notre ère. Il y a la Bible déjà plus près de nous et puis les deux grands poèmes épiques attribués à Homère, l'Iliade et l'Odyssée. Enfin, à l'époque romaine, quelques années seulement avant Jésus-Christ, un grand poème latin fondateur inspiré d'Homère et dû au stylet d'un des meilleurs poètes de la fin de la République et des débuts de l'Empire, Virgile, dont nous allons retracer la vie dans un instant, le poème raconte l'épopée mythique d'Énée. Énée est un Troyen, c'est le fils d'Anchise et de la déesse Vénus. Il va fuir trois, euh, imaginez, trois euh, vaincu, trois en flammes, il fuit trois avec son père sur le dos. Il va faire sa propre Odyssée pleine de péripéties jusqu'à la péninsule italique, jusqu'au Latium où il va faire souche et quelle souche. Nous sommes dans la grande légende des origines d'Auguste, Douze chants contenant environ dix mille vers qu'autrefois des générations et des générations d'écoliers. Ont appris par cœur. Pour tenter un affreux anachronisme, je dirais de cette Énéide de Virgile qu'elle est un peu l'un des gros best-sellers de l'Antiquité, mais édité à titre posthume, hélas, Virgile n'ayant pas eu le temps d'achever sa grande épopée. Ce qu'il faut peut-être préciser d'un mot, il faut savoir que Virgile meurt en 19, 19 avant notre ère, donc sous le règne d'Octave, l'héritier de Jules César, devenu l'empereur Auguste. À cette époque, donc, les livres sont évidemment recopiés in extenso par des armées de copies. Souvent des affranchis, souvent d'origine grecque, sur des parchemins roulés qu'on appelle des volumens, des volumes si vous voulez, des rouleaux. Hein, il faut les imaginer sous cette forme-là. Il en existe de toutes les qualités. Plus tard naîtra le codex de parchemin, l'ancêtre de notre livre actuel, plus facile à consulter et à transporter. Mais c'est un peu plus tard. Ces ouvrages, en tout cas, sont destinés à être vendus en librairie. Les libraires à Rome font office d'éditeurs ils tiennent boutique dans les rues commerçantes des grandes cités. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'un volume entièrement recopié à la main, forcément, coûte cher et même très cher. Alors il existe un autre moyen de faire connaître l'œuvre, et c'est la lecture publique, que les Romains appellent retitatio, et qui est justement euh, mise en vogue par celui qui longtemps aura été le protecteur de Virgile, Asinius Pollion. C'est ainsi dans la bonne société romaine, à la fin de la guerre civile, on prend l'habitude de se réunir d'abord dans des théâtres, plus tard ce sera dans des édifices construits spécialement pour ça qu'on appellera des Odéons, on se réunit donc pour entendre lire des œuvres, seulement euh, euh, Évidemment, ces lectures peuvent s'étendre sur des heures entières, parfois sur plusieurs soirées d'affilée. « Il n'est guère de jour qu'un Romain cultivé ne soit invité à une lecture », écrit Catherine Salle, qui par ailleurs raconte la dissipation qui souvent finit par s'emparer des auditoires. Gageons qu'à l'écoute des aventures extraordinaires d'aînés, Compté savamment par Virgile, on n'avait pas envie de se dissiper. Ce texte va fasciner ses lecteurs et ses auditeurs pendant des siècles et même pendant des millénaires. D'innombrables traductions en ont été proposées dans toutes les langues, et la plus récente en français, c'est celle que nous offre ces jours-ci le grand historien Paul Venn, traduction publiée par Albin Michel et les Belles Lettres. Paul Venn est donc venu nous faire partager son amour de ce texte, et j'ai demandé à Philippe Zé de se joindre à nous. Il est l'auteur d'une thèse magistrale sur l'image du corps dans l'œuvre de Virgile, et dès lors on peut imaginer qu'il a quelques secrets à nous livrer sur l'Énéide. Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec vos invités Franck sur Europe 1, Paul Venn qui est professeur honoraire au Collège de France. Il est l'un des plus grands historiens français de l'Antiquité romaine. Et également avec nous Philippe Eusée qui est professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle Paris 3, spécialiste de Virgile. Il est l'auteur de l'image du corps dans l'œuvre de Virgile aux éditions de Bocard. Paul Venn et Philippe Eusey pour parler de l'Énéide. Nous sommes gâtés aujourd'hui. Bonjour messieurs, merci beaucoup d'être venus. Alors, Paul Venn, il faut que vous nous expliquiez si cette traduction de l'Énéide, vous l'avez longtemps mûri, méditée, vous aviez envie de, de, de livrer votre propre version de ce très grand poème depuis longtemps Franchement, il n'en est rien. J'ai enseigné Virgile quand j'étais professeur à la faculté d'Aix-Marseille pendant 15 ans. Je ne songeais pas du tout à le traduire. Et puis, je me suis trouvé à la retraite dans la nécessité de remplir mon temps et de faire quelque chose qui me plaise. Et j'aime la poésie. Et il se trouve qu'un poète comme Virgile, admiré à la fois par Hugo et par Baudelaire, est un grand poète et par poète tant d'autres. Hein, et par d'autre part, je me suis souvenu que la première fois que j'ai été en contact avec Virgile en classe de quatrième ou de troisième c'était pendant la guerre les premiers vers qu'on m'a donnés à traduire immédiatement cette écriture pour employer un mot pédantesque cette écriture poétique qui est sans arrêt au-dessus de la prose euh, m'était entrée dans le cœur le moindre vers de Virgile, le moindre paragraphe, passage de Virgile, s'impose immédiatement au lecteur, même tout jeune. Oui, et il y, une, il y a une musique de Virgile, en quelque sorte. Il ne faut pas oublier que cette poésie-là est destinée à être scandée, Philippe Zé. Ah, La musique de Virgile et la musique du latin, d'une façon générale, était certainement d'une beauté qui, c'est terrible à dire, nous échappe. Oui. Parce que c'est une confidence lourde. Nous ne savons pas exactement comment ces vers étaient prononcés. Et, et, et ni, ni la musique. Nous mais nous avant que ne commence l'émission que euh, on a toutes sortes de prononciations du latin évidemment. On a le latin tel qu'il était enseigné à l'école euh, il y a quelques dizaines d'années, ou alors on parlait de façon très française, si je puis dire. Il y a le latin d'église euh, qui se rapproche un peu plus d'une prononciation italienne. On disait que les Anglo-Saxons ont une prononciation tonique, mmh. euh, et aujourd'hui il y a la prononciation moderne que moi je trouve d'ailleurs assez agressive, mais enfin qui a été celle qu'on m'a enseignée effectivement à, à l'école et à l'université. Elle terrifie mes amis italiens. Euh, oui, c'est ça. <laughs> <laughs> Kikero! Kikero, abominable. oui, c'est invraisemblable presque, mais bon. Non, mais alors. L'énigme repose essentiellement sur la musique du verre et sur la question de l'accent du verre. On ne sait pas si, on sait que ça n'était pas un accent d'intensité et c'était donc un accent musical et ça, notre gosier n'est pas capable de le rendre. Et c'est terrible parce que. Parce que nous ne sommes plus formés à, à parler cette langue, évidemment. Et qu il qu'il est, est à mes yeux absolument certain que cet aspect musical de la poésie des anciens était majeur. Et d'autre part, nous savons, par des biographes de Virgile, que Virgile avait une voix Extraordinaire, qui était capable de rendre magnifiques les vers les plus médiocres. Donc les fameuses récitations devaient être extraordinaires. Exactement. Euh, Paul Venn, vous avez donc euh, livré cette traduction. Alors on est habitué aux belles lettres d'avoir d'un côté sur la page de gauche euh, le texte en latin et sur la page de droite le, le texte en français. Mais là, vous nous plongez uniquement dans le texte en français. C'est presque un livre d'aventure que vous nous proposez. C'est provisoire. Ah bon <laughs> En juillet, au plus tard, paraîtra en trois petits volumes, dans la collection Budé, mm -hmm. une édéide avec un volume de l'équivalent d'un volume de texte latin, d'un volume de traduction et d'un volume de notes purement euh, philologiques. Mm -hmm. bon. Mais alors, je voulais dire une chose. Le drame du latin et du grec, c'est qu'il existait une chose qui n'existe aujourd'hui que dans une seule langue, en malgache, c'est la différence. Auxquelles nous sommes insensibles, des voyelles longues et des voyelles brèves. Oui, voilà. Ceux qui ont de la chance, c'est ceux qui sont malgaches ou bien ceux qui ont le sens du jazz. Ils peuvent se représenter ce qu'était jazzé Virgile. Le i le, 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 le long, le i bref, etc., oh, voilà. qui, qui, fait la, qui fait souvent d'ailleurs la souffrance des étudiants en latin, il faut bien le dire, mais qui fait la beauté de ces poèmes. De est-ce oui. qu'aujourd'hui, on peut lire, moi je connais la réponse, mais je voudrais que vous le disiez vous, est-ce qu'on peut lire l'énéide avec passion en 2013 je viens de faire l'expérience de la traduction, enfin d'une traduction. Elle se trouve être la mienne. C'est pour ça que j'ai pu en imposer la lecture à des gens qui m'aiment bien. Et ils m'ont assuré que passer les cinq ou six premières pages où il faut s'adapter à un récit qui n'est pas réaliste, L'énéide est une héroïque fantaisie Oui, c'est ça. Eh bien, c'est passionnant. Alors, il faut dire qu'il y a douze chants dans l'énéide. Tout à l'heure, on résumera un peu l'énéide pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce texte, pour dire ce que raconte ce long poème. Ce qu'il faut peut-être dire, justement, Philippe Ezé, c'est qu'il y en a eu énormément de traductions. Et que, et que parfois, les variantes sont, sont, assez, sont assez minces. D'autres fois, elles sont très typées. Ce sont des traductions très typées. L'histoire des traductions, d'une façon générale, de l'Antiquité, oui, et pas, pas seulement des, des de les traductions de Virgile, est absolument fascinante. J'ai eu l'occasion, au début de Mercher, de faire un, une petite évaluation assez lointaine et je suis arrivé à la conclusion que depuis la première traduction complète de l'énéide qui date du XVIe siècle et qui est l'œuvre d'Octavien de Saint-Gelais, jusqu'à l'époque où je faisais mes recherches, c'est-à-dire avant Klosowski, il y avait eu en langue française une traduction complète de l'énéide je ne parle pas non plus oui, des, des, des des extraits des de champ, oui. en moyenne tous les sept ans mmh. sept, sept, tous oui. les sept ans alors, ah les conceptions de la, de la traduction varient selon les époques, bien entendu. Un des grands traducteurs de Virgile, c'est lille euh, au 18 huitième euh, Cette traduction, elle est très belle, mais on n'ose plus appeler ça une traduction. C'est un plutôt une interprétation. Ben, oui. Il y a trois vers latins qui correspondent à huit ou neuf alexandrins, <laughs> vous voyez, alors on en rajoute, etc. Et De Delille dit ceci, qui est absolument extraordinaire, il dit. Quand je vois que je suis obligé d'ôter une beauté à Virgile, pour que le conte soit bon, j'en rajoute une Avant, ah ben, je dans croyais qu'il en cite. rajoutait trois. Je voulais dire, ça, ça <laughs> finit par faire beaucoup. Alors, il faut que nous entrions dans la vie même de, de, ce, de ce poète. Comment devenait-on poète euh, à Rome à cette époque euh, On est donc quelques décennies avant, euh, avant la naissance de, de Jésus-Christ. Comment est-ce que euh, ces poètes s'imposaient Quelle a été la vie, la carrière de Virgile Quelle était sa position Politique, ce sont un certain nombre des questions que nous allons nous poser dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Avec une émission consacrée aujourd'hui sur Europe 1 à Virgile et au poète latin Franck. Est-ce qu'on peut dire, Paul Venn, que Virgile était un Napolitain On peut dire qu'il était devenu à moitié grec. <laughs> Parce que Naples. Naples, Naples, toute cette région était une région sorte d'influence grecque. Une hein. ville grecque. Voilà. Et c'est une ville de culture grecque où il y a des professeurs de rhétorique, nous dirions de belles lettres, et des professeurs de philosophie. Et le jeune Virgile, qui a la chance d'être le fils d'un homme du peuple, de la bourgeoisie, mais riche cultivateur, a été envoyé faire ses études à Naples. Il était naturellement complètement bilingue, comme tous les gens cultivés de son époque. Il a suivi des cours de philosophie grecque, et il était, et à mon humble avis, mais ce n'est pas l'avis de tout le monde, il est resté épicurien. C'est-à-dire alors quand on dit épicurien, c'est pas c'est pas arrière, sous, oui attention oui, oui. Hein, ça ne veut pas dire que c'était un, un débauché ou un sybarite. C'est même le contraire. Voilà c'est c'est qu'il adh, adhérait à la philosophie des épicuriens. Il faut Mais la il faut faut restreindre oui. la, la vie au maximum. Comme ça on souffre de rien. Éviter les émotions. Se détacher du monde en quelque sorte pour, pour mieux saisir la vie, si l'on devait vraiment résumer à quelques mots cette philosophie-là. Alors, il n'était donc pas d'origine aristocratique. Ce, Écoutez, sur l'origine de Virgile, nous avons des, des biographies antiques qui, toutes, sont postérieures de quatre siècles à la vie de Virgile. C'est ça, c'est très compliqué. Et hein. qui sont extrêmement difficiles à interpréter en réalité. Quand on prend un peu de recul et qu'on voit l'exploitation qui en est faite par les différents critiques, on s'aperçoit que chacun pioche ce qui l'arrange dans ses textes et qui correspond à l'idée qu'il se fait du poète. Sur l'origine de Virgile, Donna, qui nous donne l'avis la, la, la plus complète, nous dit qu'il était d'origine modeste, effectivement. Il y a des, un certain nombre de critiques qui pensent que c'était impossible. Qu'un enfant de Viator, comme on dit, puisse connaître immédiatement les grands de la, de la période. Que, ça, il va rencontrer tout ce qu'il peut y avoir de plus raffiné dans, dans cette culture de la fin de la République. Hein. Exactement. À dès l'époque des bucoliques, il est encore. Il faut dire les bucoliques il et il les géorgiques ans, sont là. les deux grandes œuvres avant l'Énéide, en fait. Oui, hein. oui. On serait trop d'ailleurs insister sur l'importance de ces deux œuvres. Mm -hmm. D'abord parce que sont chacun dans son chacune dans son genre des chefs-d'œuvre absolus. Et d'autre part, qu'il y a une progression extraordinairement profonde et subtile entre le, les bucoliques, les géorgiques et les Il y a le, le développement d'une cathédrale, d'une œuvre qui est véritablement un monument de littérature très, très complet, très complexe. Les bucoliques et les géorgiques sont, sont dans la lignée, euh, annoncent déjà les néides ou ils il sont sur un autre euh, registre il est, il est évident que ce sont des, des, des œuvres dans des genres totalement différents. Mais qu'il est absolument possible, et les choses ont été faites bien souvent, de suivre les fils et d'aller des bucoliques, de l'Arcadie des bucoliques à Évendre l'Arcadien, en passant par l'Arcadien Aristée qui fait renaître les abeilles. Il y a une possibilité comme ça, mais surtout il y a l'idée, l'idée essentielle, j'essaie de oui, dire brièvement, oui. c'est d'occuper le champ de la grande poésie. En prenant à chaque fois pour modèle les plus grands poètes du genre dans la poésie grecque. Grec. Alors, ce qui est intéressant, c'est que au moment où euh, Virgile écrit les bucoliques puis les géorgiques, on n'en est pas encore à l'Énéide. Euh, on est en pleine guerre civile. Jules César a été assassiné. On sait qu'il y a donc un certain nombre de partis qui se disputent sa succession, à commencer par Marc Antoine et Octave, bien entendu. Et le protecteur de Virgile est du côté de Marc Antoine. Lui, ça, ça va avoir un, une incidence probablement Paul Venn. Oui et non. <laughs> Je pense que d'abord il existait un milieu littéraire où tout le monde se connaissait plus ou moins. Il n'est nullement invraisemblable qu'un homme qui sort du petit peuple en ce sens que son père n'est pas noble, ni, euh, ni sénateur, ni chevalier, ayant prouvé son talent, soit admis dans un milieu littéraire. Et deuxièmement, pour des raisons non politiques, mais si j'ose dire de snobisme et de goût de la culture, les gens riches, les gens puissants tenaient à admettre, à avoir pour amis, à faire venir à leur table les gens dont on parlait. Périclès lui-même, dont on dit tant de bien, connaissait, vivait avec les gens célèbres de son temps. De nos jours, si l'on est riche, si l'on est puissant et si l'on a une certaine élévation d'esprit, on se fait un honneur de connaître les grands littérateurs les grands peintres de son époque alors euh, virgile va devoir néanmoins euh, montrer pas de blanche à partir d'un certain moment il va falloir qu'il qu donne des gages au nouveau pouvoir et notamment euh, à octave qui devient l'empereur auguste oui, Virgile, on le voit par deux allusions de l'Énéide, était, nous dirions aujourd'hui grossièrement, de droite. Il était pour les optimates et non pour les, le parti populaire. Mm -hmm. Mais surtout, avec Octavogus ayant gagné, on vient d'échapper à un danger épouvantable. Ce danger, on l'appelait pudiquement les guerres civiles, qui ont été en effet atroces. Mais la vraie chose ça a été le schisme, l'Empire romain se fracassant en deux parties un empire en Occident avec Octave, un empire en Orient avec Cléopâtre. Bien sûr, c'est voyant, mais ce n'est pas Cléopâtre qui importe, c'est Antoine. Voilà Rome coupée en deux, c'est horrible, on n'ose même pas prononcer le nom, on dit pudiquement les guerres civiles, Or, la victoire d'Octave Auguste rétablit la l'unité ah oui. de ce gigantesque empire. Alors, dans quelles conditions l'énéide a-t-elle été écrite C'est ce que nous voyons maintenant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand. Avec un récit de Franck qui revient aujourd'hui sur Europe 1 sur les conditions dans lesquelles l'énéide a été écrite. J'ai toujours à l'esprit cette image qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais enfant d'un auguste qui sauvait du feu le manuscrit de, de l'Énéide. C'est une image qu'on enseignait comme ça, évidemment, chez les, les apprentis latinistes. Est-ce que véritablement cet inachèvement de l'Énéide... Est euh, dû à des circonstances politiques, ou est-ce que euh, simplement euh, ben, Virgile est mort avant d'avoir pu mettre le point final, Philippe Ezé Dans les Géorgiques, où il annonce, il fait part de son projet d'écrire un jour un grand poème, et il nous le dit très explicitement, un grand poème à la gloire d'Auguste il ajoute modo vita supercit, à condition que la vie me le permette. Or, raisonnablement, on peut penser que l'inachèvement de l'Énéide. C'est la maladie qu'il... Qu il, il meurt, il a à peine 50 ans, en fait. 51 ans. Hein 51 oui, ans, oui. Il a, il a 51 oui. ans, il est allé faire un voyage en Grèce, on raconte qu'il a eu une insolation à Bégard qu'il est revenu très malade, qu'il a retraversé euh, vers l'Italie, il est arrivé à Brindisi, et là, il est mort. C'est d'ailleurs le sujet d'un magnifique livre d'Hermann Bror, qui s'appelle La mort de Virgile, et qui est une méditation sur ces derniers jours et ces dernières heures du grand poète. Mais, donc, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Alors... Là où tout le monde n'est pas d'accord, c'est sur le sens qu'il faut donner à un certain nombre des allusions. Car il faut imaginer que ce, ce texte, cette grande épopée euh, homérique, disons-le, euh, est truffé d'allusions, d'indications plus ou moins sous-jacentes et dont certains auteurs nous disent qu'elles sont parfois à double entente. C'est-à-dire que lorsque, à travers Aîné, on vante les origines d'Auguste et l'on vante Auguste lui-même, en fait, parfois, il y a de la critique cachée dans les vers. Il est certain qu'il euh, ne faut pas avoir, euh, comme on l'a vu souvent d'ailleurs, en Virgile, un courtisan flagorneur euh, qui est complètement euh, un tapis devant, devant le pouvoir. Hein, pas du tout. Et, si, si vous me permettez, un, un léger indice. À un moment donné, donné, aîné, aîné tu fais des sacrifices bien à mort. un moment oui, vrai vrai. <laughs> Et Tu euh, euh, mets à mort... En, pour, pour venger la mort de son, de son jeune ami Pallas, il met à mort huit Troyens. C'est la reprise d'un passage de, de, de l'Iliade où Achille met à mort 12 euh, Troyens. Chacun commente en disant Vous voyez, Virgile a été un peu plus raisonnable il a rabattu le nombre des victimes. Mais un de mes amis me suggérait 8, c'est Octave. Et voilà. Et c'est la dénonciation. Des crimes que l'on attribue à Octave pendant la guerre de Pérouse, où on disait qu'il avait en effet fait sacrifier, Ostia moré, c'est-à-dire comme des victimes, 300 personnages de la ville de Pérouse. Alors il y a 12 chants dans l'Énéide. En fait, euh, on voit Énée. Euh, et ses compagnons abordés en Libye, où il est reçu à la cour de la reine Didon, Didon qui elle-même avait fui sa Phénicie natale pour fonder Carthage. Et c'est à Didon qu'il va raconter ce qui lui est arrivé, en vérité. C'est comme ça que ça, ça, ça se passe. Et puis, petit à petit arrive ce qui arrive. Évidemment, au champ 4, Didon finit par se laisser séduire, elle qui restait si fidèle à la, à la mémoire de son mari assassiné. Elle finit par se laisser séduire par aînée. et elle tombe poussée par sa sœur, il faut le dire, Anna. Elle tombe très amoureuse d'aînée. Euh, alors évidemment, ça ne peut pas se passer aussi bien. Un des prétendants de Didon s'arrange pour que l'Olympe s'en mêle. Euh, Jupiter envoie sur Terre euh, Mercure, qui va euh, faire, j'allais dire, qui va, c'est le cas de dire, qui va euh, asséner une véritable mercuriale à Héné et lui rappeler son devoir. Son devoir, c'est d'aller fonder une ville, d'aller fonder une colonie euh, en, dans l'Italie et donc il doit se rembarquer. Aînée essaie de le faire discrètement. Didon s'en rend compte. Elle meurt d'amour. On connaît cette histoire extraordinaire. Alors ce chant 4 est, est célèbre. On commence, on ouvre ce chant 4 par euh, la volonté de la sœur de Didon, Anna, de la pousser dans les bras d'Aînée directement. « Anna, ma sœur, quels rêves éveillés m'effraient et me tiennent en suspens, reconnaît Didon. quelle hôte surprenant est entré sous notre toit, quelle prestance sur son visage, quelle poitrine vigoureuse, quels Épaules. Oui, je le crois, je ne me trompe pas, sa race est celle des dieux. La peur dénonce les âmes sans noblesse, mais lui, hélas, quelle fatalité se sont jouées de lui, quelle guerre il chantait qu'il a essuyé jusqu'au bout. Alors euh, euh, on la sent de plus en plus fléchir, évidemment, et Didon va tout faire pour séduire Aînée plus loin. Voici Didon qui emmène avec elle Aînée à travers les rues, lui fait voir les richesses phéniciennes et une cité à sa disposition. Elle commence une phrase et s'arrête tout à coup. La voici qui, à la tombée du jour, veut retrouver le même banquet et, dans sa folie, demande à entendre de nouveau les épreuves d'Illion, Illion, c'est trois, suspendues de nouveau aux lèvres du narrateur. Puis, quand tout le monde est parti, qu'à son tour la lune pâlissante obscurcit sa lueur et que les astres à leur déclin conseillent le sommeil, elle reste étendue tristement sur le lit de repas abandonné, seule dans sa maison vide, absente, absent, elle le voit, elle l'entend. Alors, je vous l'ai dit, un prétendant de Dinon va rameuter Jupiter qui envoie Mercure rappeler à aîné ses devoirs. À peine les pieds ailés de Mercure ont-ils touché Carthage et ses baraquements qu'il a devant les yeux aînés en train de fonder des ouvrages de défense et de bâtir des maisons neuves, comme s'il avait l'intention de s'installer définitivement ici, à Carthage. Et il lui voit une épée constellée de jaspe fauve, et un flamboyant manteau de pourpre tyrienne qui lui tombait les épaules, présent que lui avait fait de ses mains l'opulente Didon en nuançant la trame d'un réseau de fils d'or. Sans tarder, Mercure attaque. Maintenant tu poses les fondements de la noble Carthage, et pour plaire à ta femme tu construis une belle cité, oublieux que tu es, hélas de ton royaume et de tes affaires. Le roi des dieux en personne, au gré de qui tourne le ciel et la terre me fait descendre vers toi du lumineux Olympe, lui même m'ordonne de t'apporter, sur les souffles rapides, ses instructions, que machines-tu? Que peux-tu espérer à perdre ton temps sur la terre de Libye? Si la gloire d'un grand avenir ne t'émeut en rien, si pour ta part tu ne veux pas travailler à ta propre renommée, est au moins égard à Ascagne qui est donc son fils qui grandit aux espérances de ton héritier Yule à qui sont dus le royaume d'italie et la terre romaine alors bon évidemment euh, j'aurais aimé vous lire aussi ce passage mais je vais, je vais passer aîné se laisse convaincre et pour cause il commence à après à faire les préparatifs du départ évidemment ça rend didon malade de douleur le pieux aîné voudrait adoucir sa douleur la consoler parler pour la distraire de ses tourments il ne cesse de se lamenter, ébranlé en son âme par son grand amour, il n'en exécute pas moins les ordres des dieux et retourne voir sa flotte. Alors les Troyens se mettent à l'œuvre. Sur tout le rivage, ils tirent à la mer de hauts navires, la coque enduite de poids est mise à l'eau, pressés de s'enfuir, ils apportent de la forêt des rames encore feuillues, des troncs non écaris, et voilà les Troyens qui reprennent la mer. Didon est proprement désespéré, elle est tellement désespérée, qu'elle invente une cérémonie funèbre, on imagine qu'elle va faire simplement le deuil d'un grand amour, et c'est son propre deuil qu'elle est tout simplement en train de préparer. Elle avait dit. Et voilà qu'au milieu de ce discours, ses servantes, la voix qui s'est laissée tomber sur le fer, en effet, elle tenait l'épée, hein l'épée couverte d'une écume de sang et ses mains qui en sont aspergées. Ses cris parviennent au vaste salon. La renommée se déchaîne à travers la ville ébranlée. Plaintes, hurlements, ululements des femmes font résonner les maisons. Le ciel retentit d'immenses lamentations. C'est comme si à l'entrée d'un ennemi dans la ville, Carthage ou bien l'Antique tire, s'écroulait tout entière et que l'incendie se déchaînaient et déferlaient sur les demeures des hommes et des dieux. L'ouverture de Didon et aîné extrait de l'opéra d'Henri Purcell d'après l'Énéide de Virgile. On en parle dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, en compagnie de ses invités, je vous rappelle que nous nous intéressons aujourd'hui à l'Énéide à Virgile et au poète latin. Ainsi donc, aîné, le Troyen va reprendre la mer, il va reprendre son Odyssée à lui en quelque sorte, et lorsqu'il l'abordera dans le Latium, c'est pour y trouver la guerre. Et euh, un peu à l'inverse de ce qui se passait chez Homère, l'Iliade cette fois succédera à l'Odyssée, il va y avoir cette guerre initiatique. Entre-temps, il sera descendu aux enfers, il faut le dire, et c'est peut-être le passage à la fois le plus célèbre, le plus moderne, le plus troublant de ces, de ces chants extraordinaires de l'Énéide de Virgile. j'ai un peu honte d'avoir résumé comme ça. L'Énéide à quelques mots, mais c'est peut-être aussi pour donner envie à nos auditeurs d'aller la lire. Est-ce que cette Énéide euh, est le récit d'événements historiques ou est-ce que ce n'est qu'un mythe, qu'une légende, Philippeusé Ah, je pense que chacun a son opinion. Monsieur Venn a la sienne. Je pense que la légende d'Énée que raconte en quelque sorte Virgile, en l'aménageant à sa façon, dans l'Énéide. Cette légende ne lui appartenait pas du tout. L'idée des origines troyennes de Rome est une idée ancienne. Très ancienne, puisqu'on on, on a retrouvé, vous savez, la fameuse statuette, vous, vous souvenez, de la, euh, la Vinium, qui montre une statuette du VIe siècle avant Jésus-Christ, qui montre un homme sur les épaules de l'autre, vraisemblablement qui sur les épaules d'Aîné. On connaissait Aîné déjà à ce moment-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement l'origine de Rome qu'il s'agit de compter, <laughs> c'est celle de la dynastie euh, qui vient de s'installer au pouvoir, c'est celle des origines d'Auguste. Il s'agit donc, euh, en quelque sorte, d'un champ patriotique ou d'un chant euh, politique d'une certaine façon, Paul Venn? Oui, il s'agit d'un chant de remerciements à l'homme politique Octave Auguste on n'ose pas encore dire que c'est un souverain, une sorte un monarque mais enfin c'est l'homme qui a mis fin aux guerres civiles et surtout rétabli l'unité de l'Empire. Or cet Octave Auguste est fils adoptif de Jules César, lequel se vantait, naturellement, personne n'y croyait, surtout pas lui-même, de descendre de Iule ou Ascagne, fils d'Aîné, Et cette légende d'Aîné, la légende des origines de Rome, et pas seulement la connaissance d'Aîné, ça fait au moins trois siècles que c'était absolument répandu, populaire, chez les Romains. À la suite d'un historien grec... Qu'il qu avait popularisé. Mais les Romains étaient bien conscients qu'on parlait d'une légende, néanmoins. Oui, non, mais oui, oui. bien entendu. Mais euh, à cette époque, c'est pas urgent de distinguer la légende de l'histoire. Voilà. On dit que, et puis voilà, on ne va pas chercher plus loin, il n'y a pas une, comme c'est depuis le 19e siècle, il n'y a pas une sorte d'impératif d'hygiène intime du cerveau de se purifier. De... Nous, dès qu'on nous raconte une histoire Très du dit, passé, ouais. on veut savoir si c'est vrai ou faux. Ah, oui, oui, c'est même non. Le, le thème de l'émission à laquelle vous participez aujourd'hui. Enfin, il y, a, il y a donc une dimension euh, mythique, généalogique à l'Énéide. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier qu'Éné étant euh, fils de Vénus, ça veut dire que euh, Auguste, est divin. C'est ça l'histoire. Bien sûr, bien sûr. Mais alors, euh, je, ce qu'il croyait est un grand mystère pour Jules César, évidemment. Euh, la lucidité du personnage tel que nous l'imaginons donne des armes pour ceux qui en font un sceptique. Mais enfin, il avait quand même prétendu... Alors qu'il avait 16 ans et qu'il faisait le discours pour la mort de, de sa grand-mère, qu'il était bel et bien de la, de la famille de Vénus. Laquelle est aussi, il faut bien le dire, la patronne de Rome, aussi, dans la foulée aussi. Oui, alors. bien sûr. Alors, il y a une dimension, on le comprend, politique, généalogique. Il y a aussi une dimension religieuse, nous dites-vous, Paul Venn, dans ce, dans, dans ce texte. Il y a, il y a quelque chose chez, chez Virgile, de, il y a un lien particulier avec les dieux. On pense des dieux ce qu'on veut. Il n'est pas convenable de tenir des propos incroyants. Ça voilà. ne se fait pas. C'est une question de convenance. Et en outre, il convient d'exécuter scrupuleusement les rites. Virgile le fait qu'on croit ou pas, peu importe ce qu'on pense, ce n'est pas une religion où il faut croire et professer des dogmes et, et réciter un credo. C'est une religion où il faut exécuter des rites, mais par ailleurs. Il convient d'ajouter aussi que si l'on est, si est une personne vraiment pieuse, outre l'exécution du rite qui font partie du savoir-vivre obligatoire, il convient, c'est une phrase d'Aristote qui est une phrase clé, d'aimer les dieux comme on aime ses pères et mères. Ça n'a rien à voir avec la grande spiritualité chrétienne, mais c'est un sentiment d'amour familial pour les dieux. Philippe Écoutez, sur cette question, elle aussi très difficile de, de ce que pensait Virgile, quelles sont ses opinions philosophiques, quelles sont ses opinions religieuses Il y a des, véritablement des arguments pour plaider pro et contra, comme si Virgile, très lucidement, c'est une idée qui me revient de façon récurrente, n'est-ce pas, avait mis les éléments pour qu'on en discute. Virgile aime que son œuvre ne soit pas explicite. Il fabrique le flou. Et on ne sait pas, sur le dernier geste des à la fin de l'énide, si c'est bien ou si c'est mal. De même que l'homme, face à sa condition, doute de la définition du bien et du mal dans l'ordre de la morale, doute même de la définition de la beauté, de même le lecteur de Virgile, face à cette œuvre extraordinairement Calculée et lucide. Et profonde et ouais, mystérieuse. Extrêmement profonde. Il y, a, il y a une dimension initiatique dans tout ça. Il y a donc cette double euh, odyssée des, des nés il y a cette, euh, cette relation à Didon essentielle, qui est aussi une relation au récit, mais enfin on va peut-être laisser ça de côté. Et puis il y a cette descente aux enfers dont je parlais. Il faut arriver à décrypter tout ça il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, évidemment. À, à ce propos, d'ailleurs, Paul Venn l'a bien marqué, une des idées géniales de Virgile, c'est d'avoir imaginé un héros qui progresse, qui se modifie. L'aîné de, la de Troie n'est plus le est même, pas celui eh oui. du turnus à la fin. Et évidemment, la descente aux enfers est un, est un beau symbole. Ce qui est difficile à concevoir, les théoriciens nous disent, notre héros, surtout un héros d'épopée, il faut qu'il... Tiennent debout, qu'ils se ressemblent. Sibi Constet, nous dit Horace, n'est-ce pas C'est la qualité première d'un personnage, au théâtre ou dans l'épopée. Or, Virgile imagine, cette idée, j'allais dire, qui nous touche parce qu'elle est moderne, imagine un cheminement, non seulement dans l'espace, mais un cheminement dans la psychologie, dans les convictions et dans l'aventure humaine. Que ce cheminement reflète ce que Virgile a lui-même éprouvé Jeune épicurien, élève de Siron à Naples, comme vous l'avez dit, est confronté à des problèmes qui sont posés, malgré tout, dans la catabase, et qui sont posés dans la façon dont il envisage son récit, qui sont des problèmes qui concernent la dans condition la, humaine. Dans la catabase, il faut que vous nous expliquiez. Excusez-moi, la catabase, <laughs> la descente aux enfers, <laughs> le, le livre 6, n'est-ce pas Tous ces problèmes, Virgile est peut-être face à la condition humaine, comme il place le lecteur face à son œuvre. Franck Ferrand sur Europe 1. Avec Dixit Virgile, nous parlons des poètes latins en compagnie de Franck et de ses invités, bien évidemment. J'imagine, Paul Venn, qu'après avoir consacré tant d'heures à traduire l'Énéide, c'est une, une œuvre de longue haleine à laquelle vous vous êtes attelé. Euh, vous avez cette poétique de, de Virgile à l'esprit. Est-ce qu'on peut dire que ce sont parmi les plus beaux vers latins il y, a, il y a une beauté de ce texte, une beauté, alors cette fois formelle, j'entends bien. Oui. Ce n'est pas une beauté à la façon de certaines odes d'Horace, oui. ou chez nous, pour prendre l'exemple euh, le plus illustre et le plus populaire, la densité de Baudelaire, c'est une écriture qui constamment est poétique et au-dessus de l'écriture de la prose. Au-dessus, c'est-à-dire qu'elle est... C'est ah, qu euh, de la poésie, ce n'est pas ça. de la prose. Ouais, et c'est une poésie dense. Sans aucun vain ornement, c'est nullement du néoclassique. Au contraire, c'est d'une pureté d'écriture qui est au-dessus de tout. Est-ce qu'il y a des images qui sont propres à Virgile Est-ce qu'il est qu y a des, des tournures, des références qu'on ne trouverait pas ailleurs et qui, et, qui ont, et qui ont fait date en quelque sorte, et qui ont fait école Tout ce qui me vient à l'esprit pour vous répondre, c'est qu'il y a... Des figures de rhétorique, des effets oui. qui marquent la poésie et qui constamment reviennent pour rappeler au lecteur qu'il n'est pas en train de dire de la prose. On inverse les termes, euh, on explique qu que la mémoire garde un monument et non pas qu'un monument perpétue la mémoire, enfin euh, des choses comme ça. Ils, ou alors, tenez, ils descendent aux enfers, aînés et sa campagnatrice. Ils allaient obscurs dans la nuit solitaire. Bon, c'est l'inverse. Virgile veut dire ils allaient solitaires dans la nuit obscure. Mais du coup, ça rappelle au lecteur qui n'est pas en train de lire de la prose. C'est usité constamment. Mais sans aucun excès, c'est d'une beauté continue et d'une sûreté de goût constante. Le grand goût de Virgile. Oui, le grand goût. Ah, c'est ça, on peut parler de ça. Et c'est peut-être ce qui va rendre l'œuvre classique, Philippe évidemment. Alors, que l'œuvre de Virgile soit classique, elle l'est au sens étymologique. Très tôt, elle a figuré. Chez les anciens, dans les programmes entre guillemets, si la notion de programme <laughs> peut être appliquée, elle était étudiée à l'école et, et depuis, n'est-ce pas, elle est devenue effectivement une référence, la référence classique. Mais j'ajouterais que cette œuvre-là, et c'est un des caractères les plus saisissants quand on étudie sa réception, comme on dit sur le mm -hmm. sur deux millénaires, cette œuvre a une plasticité extraordinaire qui fait qu'elle satisfait des exigences esthétiques contraires. C'est le grand classique et Racine nous le dit, j'ai écrit Andromaque euh, à partir Racine de. Racine était très marqué, de oui. Racine, de Racine. Et, et, et Boileau parle, il dit ce vers fameux, tout l'or de Virgile euh, contre le, euh, le, la fausse monnaie du tasse. Pardonnez-moi le vers exact, mais méchant. Et donc, c'est le pilier de ce qui fait de bien dans l'art sur la définition classique. Mais vous, Hugo arrive. Et il dit c'est lequel magnifique poète et il en fait un, un héros du romantisme. Baudelaire avec le signe ce magnifique poème. C'est-à-dire que les baroques, cite, les symbolistes, il est les... chacun il trouve. Baudelaire ça. écrit un de ses plus beaux poèmes. Je ne sais pas ce qu'en pense Paul Veyne. Oh. Le signe, le signe. Euh, Andromaque, pas... je pense à vous, n'est-ce pas Et toc, c'est la citation d'un passage. Euh, du livre 3 de, de l'Enneide et on, on suit ainsi de suite j'ai eu l'occasion de vérifier que euh, Virgile euh, évidemment était encore très 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 important chez les grands auteurs qui précédaient la deuxième guerre mondiale mais aujourd'hui encore j'en parlais avec Wendt avant l'émission et il est euh, dans le, le la modification de Butor est construite sur le schéma de l'énéide c'est le voyage à Rome ouais, ces bien choses bien. ont été étudiées elles ont fait la, la, la matière de, de et il y a quelque chose de très, très extrêmement intéressant de voir, donc ce que j'appelle d'une façon qui n'est pas très satisfaisante la plasticité de Virgile, il est toujours là et on chercherait difficilement une époque où Virgile a, a, a quitté la première place et, et la première... Et ça... Et est-ce qu'on peut dire que euh, finalement, il ne vient pas à n'importe quel moment Ce n'est pas un hasard s'il arrive là, euh, dans les années entre, on va dire, entre Jules César et Auguste. Il, il vient donner à Rome ses lettres de noblesse, en quelque sorte. En tout cas, il lui donne non seulement son grand poème fondateur, sur le plan de la généalogie, de la politique, de la symbolique, mais également son grand poème fondateur sur un plan esthétique. Il va euh, fixer la langue latine. Oh ben, il est certain. Que quand on est poète à Rome, on est soit avant Virgile, soit après Virgile. C'est un petit peu hein, notre le... corneille à nous, hein, si je puis dire. Ah, oh, hein. à mon avis, c'est l'influence de Virgile. Alors, rien que dans la latinité est absolument considérable. C'est C'est très, très bizarre, oui, c'est très bizarre avec quelle rapidité ça a pris. Et une des questions qui, qui se pose, sur laquelle peut-être j'aurai l'opinion de Céline, c'est la question de son public. Tout ce que nous percevons, c'est que son succès est unanime. Vous avez rappelé, à juste titre, la difficulté de la publication, le prix des livres, mais, ce qu'on oublie, c'est que tout le monde connaissait les poèmes par cœur. Les gens apprenaient les poèmes par cœur, les réciter, et lorsque Virgile, l'épisode nous est raconté, mais il est tellement significatif qu'il vaut d'être apporté, lorsque Virgile entre au théâtre, c'était un homme timide, on l'imagine dans un coin. Il est reconnu par la foule qui lui fait une standing ovation aussi vibrante qu'à l'égard d'Auguste, qui n'en fut pas jaloux. Ah, on retrouve, on oui. retrouve évidemment de façon magistrale. La question de la politique, et la question de la poésie, évidemment, c'est un des aspects très importants de cette histoire. Merci beaucoup Philippe Zé. Je rappelle le titre de votre thèse édité chez Debocard, hein, qui donc euh, s'appelle L'image du corps dans l'œuvre de Virgile. C'est un ouvrage dans lequel je me suis plongé hier soir pour tout vous dire, je ne suis pas encore ressorti. C'est extraordinairement riche. Vous avez creusé la question d'une façon incroyable. Et puis bien entendu, pour tous ceux qui voudraient lire l'Énéide, je cherche mon exemplaire. Le voilà, édité chez Albin Michel Les Belles Lettres. Euh, L'Énéide de Virgile, traduite par euh, Paul Veyne en personne. Vous vous êtes inspiré d'autres traductions ou vous avez décidé de faire tabou la rasa, si j'ose dire, et de tout, de tout reprendre à zéro N'en voir aucune. C'était euh, presque un principe. Et puis, essayer d'écrire des phrases rythmées. Je ne veux pas dire du tout que c'est en vers blanc. Mais que j'ai essayé de faire à l'oreille que les phrases tombent juste et surtout que ce soit le plus bref possible. J'ai 10% de mots de moins que les autres traducteurs. Si vous me permettez d'utiliser votre expression pour parler de votre traduction, c'est nettement au-dessus.